Master didactique des langues, FLE anglais et ingénierie de formation est avant tout un master professionnel. Quatre stages sont obligatoires, dont deux de 3 mois minimum. Les enseignements en première année sont dispensés de sorte à ce que les étudiants puissent partir en stage dès février. Nous avons par ailleurs des partenariats en France et à l'étranger, en Angleterre, en Italie ou en Bulgarie par exemple. Les enseignements permettent d'acquérir de solides bases en didactique et forment aux nouvelles technologies, aux politiques éducatives ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique et de formation. Avec un master totalement inscrit dans la perspective actionnelle et la pédagogie de projet, nos étudiants apprennent à travailler en équipe et à monter des projets de toutes sortes. Didactique des langues et ingénierie de formation est un master professionnel d'excellence ouvert à l'international. Basé à Boulogne-sur-Mer, il est proche de plusieurs capitales européennes et de grands aéroports internationaux. Boulogne-sur-Mer, à environ 2h30 de Paris, comme de Londres et de Bruxelles, est facilement accessible et offre aux étudiants la possibilité de mobilité à l'international. L'UCO est à la pointe en matière de technologie éducative et nous disposons par exemple d'un laboratoire de langue mobile équipé de Phablet permettant le travail à l'oral et le recours à l'évaluation formative en offrant la possibilité de vérifier les connaissances des étudiants. Ce matériel facilite la préparation des futurs enseignants à la mise en œuvre d'une pédagogie active. Le master est ouvert aux étudiants du monde entier, titulaires d'une licence de lettres ou de langues, ou d'une formation équivalente, désirant apprendre la didactique des langues grâce aux deux parcours, français langue étrangère, FLE et anglais. Master Sados au Centre de ressources en langue de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Il permet aux étudiants d'expérimenter directement sur le terrain du montage d'événements culturels ou scientifiques et donc de mettre en pratique la gestion de projet. Pour ce faire, les étudiants sont amenés en première année à organiser la Journée européenne des langues qui a lieu fin septembre chaque année et à organiser une journée d'études scientifiques adossée au laboratoire Langue, Culture, Éducation, Mutation des systèmes éducatifs, donc le laboratoire H2LI de l'Université du Littoral. En deuxième année, les étudiants organisent un événement d'une plus grande importance, le Printemps des langues, qui peut durer jusqu'à une semaine et qui se déroule au moment de la Semaine internationale de la langue française et de la Journée internationale de la francophonie. Le CRL est un espace de convivialité qui est ouvert aux étudiants pour qu'ils puissent venir y travailler et qui est un peu devenu leur quartier général. Il permet aussi aux étudiants en formation initiale de travailler, c'est-à-dire d'avoir un emploi étudiant. Nous offrons chaque année des emplois de moniteur ou de tuteur pédagogique qui permettent d'accompagner tous les étudiants et tous les apprenants de langue de l'université dans le secteur des spécialistes d'autres disciplines, le secteur Landsad, et aussi d'accompagner les étudiants en français langue étrangère pour les étudiants Erasmus et puis les étudiants qui sont chez nous. Saint-Malo en Bretagne. J'ai décidé de venir faire le master de l'université du littoral Côte d'Opale parce que c'est vraiment celui que je voulais faire.
notamment la deuxième année avec tout le parcours ingénierie de formation qui peut être un vrai plus pour notre CV et notre futur professionnel. C'est aussi une université très vivante dans laquelle c'est facile de rencontrer du monde. On peut faire une quinzaine de sports différents gratuitement et il y a aussi une maison d'étudiants qui propose beaucoup de soirées et qui met à notre disposition des fours micro-ondes, des fours, des plaques électriques, mais aussi un billard et un baby-foot pour se détendre entre les cours. Je viens d'Oran, d'Algérie. Mon choix de master s'est porté sur celui de l'Université de Littoral Côte d'Opale de Boulogne-sur-Mer. Dans ce master, on allie la théorie à la pratique. Les enseignements sont variés. On apprend entre autres la didactique des langues, l'intégration des TIS et on a l'occasion de les mettre en pratique dans des jobs étudiants tels que le monitorat, le tutorat. Je suis diplômé par l'Université de Shaanxi en Chine. Je viens à Boulogne-sur-Mer pour continuer mes études en Master 2, didactique des langues, ingénierie de formation, parcours bleu, car les cours dispensés m'intéressent beaucoup. Par exemple, l'usage multimédia dans la didactique du bleu, puis l'ingénierie de projet. Cela me permet d'approfondir mes connaissances que j'ai déjà acquises auparavant. Je viens de Dublin, en Irlande, où j'ai fait 3 ans d'études de français langue étrangère. Je suis le master didactique des langues, ingénierie de formation, parcours FLE, pour compléter mon cursus universitaire. Et j'ai choisi de venir à Boulogne-sur-Mer parce qu'il a été élu en 2013 par le magazine Le Nouvel Observateur, l'un des meilleurs masters FLE de France. Les professeurs sont toujours à l'écoute, prêts à nous aider, ce qui nous donne les meilleures chances de réussite.